Seconde partie par rapport à la réparation de la visseuse à choc. Par rapport à la carte et à la carcasse, il manque pas grand chose pour pouvoir la fermer. Vous voyez, vous voyez il manque vraiment rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'arrondir les angles, de la partie aluminium de la, de la carte électronique pour pouvoir la faire rentrer correctement. La chose la plus compliquée, c'est faire passer le connecteur en dessous sans que ça touche la carte. Ça va être le, le point le plus compliqué à réaliser. Pour le moment, je dis bien pour le moment, cette machine, je ne vais pas la transformer en clé à choc avec l'enclume. J'ai une enclume, mais je n'ai pas la, la bague pour mettre à l'intérieur. Pour le moment, on va s'occuper déjà à ce qu'elle fonctionne correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais raboter les coins. Parce que ça, ça peut peut-être un petit peu déranger à certains endroits. Mais ce qui va être compliqué, c'est vraiment cette partie-là pour l'intégrer sans que ça touche la carte. Je ne peux pas trop meuler ici parce que ça sert un petit peu de dissipation thermique. J'ai effectué un petit meulage. J'ai cassé un petit peu les angles. Ça pourra aller que mieux. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Et ça, on va dire que c'est pas la plus facile. Je ne sais pas réellement comment je vais faire pour le moment. Je pense que je vais gratter la partie arrière de manière à avoir euh, la partie métallique apparente pour que je puisse souder dessus. En grattant un petit peu, donc on a accès. Bon, il y a un trou à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le fil dedans et je vais replier. Alors je sais pas si je, vais coup, je coupe la patte ou si je, rep... ou si je la plie. Mais j'ai peur que ça dépasse. Mais je vais devoir vraiment bien protéger pour que ça fasse pas de court-circuit. De pour faire passer le fil. J'ai obligé de le faire passer par ici. Il n'y a pas non plus masse de place. Hein, donc je vais devoir vraiment euh, faire très attention. Peut-être couper à peine la partie là pour laisser passer le fil. Voilà, j'ai soudé. Alors, j'hésite à meuler. Je pense que je vais meuler. Hein. Je sais pas, je me tade ou plier. Je vais essayer de plier en premier. Je vais y aller doucement. Je vais y aller avec la multiprise. J'ai déjà un petit peu tordu là. Et j'ai peur de d'abîmer parce qu'il n'y a plus beaucoup de matière plastique. Ouais, ça serait con de, de casser à ce moment-là. Voilà, là c'est... ça a l'air pas l'air mal. Le principal c'est que cette partie-là ne bouge pas. Donc... Voilà. Bon, à vue de pif, c'est pas mal. Donc, il va falloir que je protège vraiment. Alors, je vais mettre euh, du scotch, euh, du scotch comme ça. Je vais mettre du clapton. Je vais vraiment bien protéger de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact. Mais là, en visuel, ça dépasse pas et les connecteurs sont bien branchés. J'ai pas inversé la polarité. Nickel. Bon, c'est pas terrible. J'ai un peu trop raboté ici. Mais bon, si je viens en refaire une, je pense que j'y arriverai plus facilement. J'ai mis de la gaine thermo quand même, parce que là, le moins, il passe entre les fils. Donc, il y a quand même des risques de court-circuit. J'ai rebranché la gâchette. Maintenant, on va pouvoir mettre le connecteur en place. Je vais le protéger. Je vais utiliser ce type d'adhésif. C'est un adhésif spécial. J'en ai mis de ce côté-là et de ce côté-là. J'ai remis une petite bande pour faire un petit peu de la surépaisseur. À ah, vue de pif, bah, ça a l'air de passer tip-top il faudra que je fasse bien attention, c'est de ne pas pincer les fils. Bien les passer à l'endroit prévu. C'est celui-là là qui va être un peu compliqué. Il enfin, va pas falloir qu'il appuie sur le bouton, ça serait ballot. Ah, pas oublier d'intégrer la petite LED là-dedans. Alors je pense que je vais la coller parce que je pense qu'elle tiendra jamais sinon. Oh coqueux. Si je l'enfile en, entre les deux condensateurs, ah, entre les deux condensateurs ça passe même pas, il n'y a vraiment pas la place. Et ben, elle va être chiante à mettre celle-là, donc je vais. moi, bon, je vais voir. Bon, nous arrivons bientôt au bout. Donc là maintenant on va mettre la partie mécanique. Et on va essayer de, ben, de, de fermer la carcasse. Et en espérant que j'arrive à la fermer correctement. Et surtout en espérant que le mode n'ait pas changé et que ce soit toujours en pleine vitesse. J'ai remis quelques vis et regardez. Juste en enlevant, ben, en cassant les angles, ça rentre vraiment nickel. Derrière on voit rien, donc je vais visser complètement. Et on va l'allumer et on va voir euh, ben, si les bon mode. Si c'est le bon mode. Donc je vais juste remettre une petite vitre en dessous pour pas qu'elle s'ouvre qu quand je mette la batterie. Et nous allons essayer. Voilà. Nickel. Bon, je viens de me rendre compte, le seul bémol, c'est que j'ai branché les, les fils du moteur à l'envers. Donc ça veut dire que c'est inversé. Alors, est-ce que je les réinverse Je me tâte. A voir. Ah, je pense, ouais, je vais les inverser. Voilà, j'ai rouvert la carcasse. Je vais inverser le fil blanc et le fil bleu. Histoire d'inverser le sens de rotation. Voilà, j'ai inversé le blanc. Et le bleu, maintenant, on n'a plus qu'à la remonter. Et voir si ça fonctionne correctement. Voilà, la machine est remontée. Par contre, j'ai trouvé bizarre, quand je serre les quatre vis, elle me fait un petit sifflement. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, pour le sens de rotation, donc là, quand c'est poussé vers l'extérieur, là, c'est un sens horaire. Et là... Voilà le dépôt, franchement. Ça, je pense que ça va dépoter. Je ferai des essais rapidement. Euh, pas aujourd'hui par contre. Euh, par contre, on va essayer de mettre le petit cache là. Et après, on sera tip top aux petits oignons. Donc je vais devoir faire de la découpe sur cette pièce-là. Je vais en laisser une toute petite partie. Voilà, j'ai déjà bien réduit la pièce. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre. Parce que vraiment, euh, je vais devoir limer encore un petit peu. Voilà, j'ai incrusté dedans. Maintenant, je vais resserrer les vis de manière à ce qu'ils soient bien bloqués. Je pense que je vais devoir y mettre un point de colle parce que ça tient pas super bien. Mais là, je vais mettre la partie autocollant ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un peu de colle. Et normalement, ça devrait plus bouger. Nickel. Bon, j'ai à peine bavé avec la colle, ça a séché. Mais là, nous avons une machine. Et là, je pense qu'en mode desserrage, elle va envoyer la purée, ah, même dans l'autre sens. Ah, je crois que j'ai oublié une vis. Tiens, c'est quoi celle-là Où c'est qu'elle va Ah bah si j'ai oublié de visser une un bout de la carcasse, ça va pas le faire. Voilà. Moi je dis, là franchement Ah j'ai encore eu cette vis là qui est mal serré Pas du boulot ça J'ai tout fait à moitié Même là ça se voit pas Du coup on peut pas changer les vitesses Bon il se... faudra se contenter De la gâchette Pour la vitesse Pour la régulation je veux dire et moi je dis, encore un outil sauvé, par Olivenside. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire.